Ramadan Karim. Ramadan Karim. Cher ami, merci infiniment, très cher ami. Ramadan Karim à toi et à toute ta famille. Inch'Allah. Khairo khairat. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, permettez-moi tout d'abord de vous saluer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À vous tous, mes amis, ceux qui sont à l'intérieur de ma page concernant le live, ceux qui sont au pays, ceux qui sont à l'extérieur, à vous tous, je vous dis, tout d'abord, Ramadan Karim. À ceux qui sont malades, je prie que le Seigneur, Inch'Allah, qu'il leur donne santé. Ceux qui sont en difficulté, je prie Allah qu'il leur vienne en aide. Ceux qui sont morts, je demande à Allah qu'il leur pardonne et qu'il leur reçoit au paradis éternel. Aujourd'hui, nous sommes le 22 avril 2020 et ce message vous vient depuis Londres. Et surtout, ce message, il est très intéressant parce que vous allez apprendre beaucoup de choses sur Ismaïl Omer Guelleh, d'où est-ce qu'il est venu, qu'est-ce qu'il fait comme travail, avec qui il travaille, comment il dirige le pays, comment il est arrivé, et beaucoup de choses que vous allez apprendre sur le système tel qu'il est. Le système ou la bulle IOG, avec toutes ses ramifications, aujourd'hui vous allez apprendre cela. Parce que c'est un travail que j'ai fait depuis des années, ça date de 2002, 2004, je l'avais gardé un petit peu de côté des fois, bon, j'ai donné à certaines personnes qui me sont proches, à certaines amies, mais en réalité, aujourd'hui j'ai décidé de le mettre sur la place publique, sur ma page Facebook, pour que le peuple dans son entier puisse savoir et comprendre qui est au IOG, Ismaïl Omer Guelleh, et surtout sa façon de diriger et sa personnalité. Tout cela, je l'ai décortiqué, mais vraiment mot à mot, et ça a duré des mois et des mois pour prendre et récolter toutes ces informations-là, y compris même, je me suis permis de pouvoir récupérer certaines informations sur sa personnalité au niveau du service secret français, la DGSE. Et surtout, tous les crimes qu'il a commis, c'est très important. Donc je vous dis, je m'excuse parce que tout ce dossier, je vais essayer de le lire, de
faire passer en français, puisque je ne peux pas le traduire en somalien. Et en fin de compte, bon, en priorité, ça concerne le peuple de Djibouti, bon, qui parle français et qui comprend français. Les autres Somaliens ou autres, autres étrangers, c'est à eux de faire une traduction de cette personnalité-là. C'est très important. Voilà ce que j'avais à vous dire. D'ici dans 5-10 minutes, on va rentrer dans le sujet qui est très important et surtout, qui est Ismaël Merguele, comment il dirige ce pays, avec qui il dirige, comment il a mis l'organigramme de ce groupe mafieux de la tête en bas. Tout cela, je vais vous expliquer, mais vous allez apprendre beaucoup de choses, et surtout les crimes qu'il a commis et qu'il continue à commettre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Inch'Allah. Brothers and sisters, first of all, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today the speech is concerning about the president Ismaël Omar Guelleh, the dictator president of Djibouti. And this message or this information is concerning about his personality and his historically biography from the beginning when he take the power of chief of security. And also it's very important how or with who he take the power, how he manage the Djibouti government and the policy of Djibouti, what is the character and his personality, this person, this mafia president, and some of them, of this information I collect from the security of French to explain his personality. It's very important. And also, Ismaël Omar Guelleh, from the beginning, 1977, and today, many crimes he commits, many crimes about Djiboutian people, and also some of them killing in Ethiopia, some of them killing in Somalia. It is very, very good information to know that who is Ismaël Omar Guelleh. That is very important. For that reason, I make this investigation more than now, starting 2002, and that before, to plan all this one. And today I decide to put in my Facebook page. You will get in French, and please try to translate in English. It's very important. Yeah, you take the information about all these things in my page. You share and you translate in English to understand that. It's very important to know that who is Ismaël Omar Guelleh, the dictator of Djibouti, president. Very important. Thank you very much and welcome to this very important message. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ola laya al-marka warwan, salam aya, salam ta muslim khanu, salam aya. Ola laya ala. Salam ke dib. Oh, salanta muslim kan ugu salaamay dhammaantii ummadda reer Djibouti intay dhegaysanaysa inta dalka ku nool iyo inta banaanka joogtaba. Maanta taariikhdu waa 22 bisha April 2020. Midda kale waxaan Ilaahay uga baryayaa ummadda reer Djibouti inta bugta inuu Ilaahay caafimaad ku soo celiyo. انت حنو انت ما تدمت الى هاو نحرستو افعل هذا انت دمت الى هاو نحرستو انت النورنا الى خير هو دبال وحاكو لئون هل كان ما انت كهد لايا تاريخ اسماعيل عمر قيلي wuxuu yahay xaggu ka yimidi raallahaada iyo suga
أرنت ما أنت عن كهذا لا يو وأرن خصيصة من الأونس كشاقة ما دارت إسماعيل عمر جيلي كلي تلس كدالك جوتي قعنت برت ما دارت كما مرايا إسماعيل عمر جيلي أرتو وايو إسماعيل عمر جيلي هالكو كيمتي إسماعيل عمر جيلي سلو وفكرة إسماعيل عمر جيلي يلا شغية إسماعيل عمر جيلي تلس كيس وجويت وكدستي السجية مامل كيس سلو أدسين سلو أشغية بل أورغانيغرام كما ركتي دولة جويتي إذا ما ديدا إذا بتسكت ديدا دمانتو سلو أشغية وحا صعودن يان كسمي ما ركتي باريتان دير باريتان دير أو يقاتي دوريو دور سنودودي او تعب او خطر تابع كان اسم ان جوتي مرتي اي حكمت مدركتي حكم مدركتي لا مدركتي ان افغان بمدحون وضع سلطان عبد الله البركاني مرسيد رد ان بريطان كادير او مدمد اوكرا سارا يسمع له الى اي دقن كيس اون قارن كسو قاتي نبت سود فرانسيسك لو مغا دري مدركتي دي جيسو ويكون كحد لايا إن عمر قلي بل دمع عيسو سدويه وحاسو دمان معينة وولي بان كدر ايو إن وحاو داد سود دلي وحاو حدي وحاو مدرتي هوب سود قلي دلك إلا أي تاريخ لاس أو إلا أي عرنك مركيان قادني وها مدرتي إن أغاسيمها قود أي مدرتي نبت سود دلك إيو كدي مركو كنين سيال بغولي سيال شكاش سيال شكي ونقضي مدحونا هذا الكجود وحاصل لما نقرأ الكقري ومباري تام كسمعي سوتو دو حويا هدان ما نبت أنا تقرينين كو أفكو كو حكومة أفكو كما مرايا يسلو أشغينا يو سلو أفكرا يو سيد الكجودي دولدن أي أما مرايا سنة كان اسماعيل عمر قليا رقيسو هدان تقرين سنين يو حويا حويان باتك تايد مركا حويان اسكال نورو نفتو كجورتو اسكال سعلا تايد سيدي بمارك مقصود رادة إما كوحان جوان كجاري إن أنا مدركت أن ولون إن قرالاس أن ملعب أو صاحب ذي أن جرسي لكن ما أنت محان صوب بندقة يا إن بيش كيجا أن صوب بندقة ون هل كان مدركت بل إسماعيل عمر جيل أن مدرك لا ميجو أن صوب بندقة مع الأسف إن قرالي قاعد أفرانسيس بيكو قرنتاي أفرانسيس بنا كشيء جدنا لكن ده وترجمة كتير بيش كي وان صور دقايا إن شاء الله إن قرال بدي ودي سن كتير ودي سو قر كتير إن شعر غرية مرتي بيش كي كديبنا مرتنا كات شعر غرية سين مرتي قرال بني سو دري دونا إن شاء الله أو أرمى صورن كسابسن ودمر كات ترجمة كتير في إنجليزي جي في سوماري سادون تيم ساد أوكرتين مرتي بل سمعوا العمر قلي صدوا فكرة حقوق كيمدي صدوا شغية dalka jibuuti se sabab ku dhisan yahay waxa soo dhanban madaragtay aan soo bandhigaya oo halkan ku macneyn doona in saasileg waxaan ilaahay ka baryaa madaragtay in ramadaanka soo galay maanta inuu mid khayr la nooga dhigo dhammaantiin waxaan ilaahay inta halkan ku jirta dhammaantiin ba madaragtay ramadaan kariim walaalada inta dalka joogtay inta banaanka joogtay waxaan leeyahay ramadaan kariim marka walaal dhigaysu waan si fiican u dhigaysta inta Soomaaliga Soomaaliga ku hadlay si Franciscan garnay raaliga hada waa qoraal dhan oo ma aragtay ilaa iyo dhowr toddobaatan bug ka kooban marka waqti aan Soomaali ku sameeyay Soomaali ku hadlay ma aragtay waa tacab iyo tahay shalna waa halka sanaf Soomaaliga markaan sharaxadan soo sharaxay madaxweynaha Jibuuti in u soo bandhigay ma aragtay ummada reer Jibuuti dhamaantood iyo walaaladay inta banaankii gudaha ku noolba af Soomaaliga in badan bal maartay ku murmurganay sababtoo af Soomaaliga markaad akhrinaysid markaad ku hadlaysid taas in yar baan
أنك رجل جبت مالتي تعب كابان كنا هذا الكوا وفي عيني هاي لكن قرآن كما كان أخرين بدان قرآنه والله قبح سرايا مركا ولا لوح عن إليه سو قلا سو سو بيرا بين شير قرايا وحبتهم بدو كان دوتين خصوصا لما قلت أم دري جبتي وولي ما قلت اسماعيل عمر قال لي ودلاء ودلاء قعناها بيكوت بقول جربان كان بقول جربان معناه إني نال البصوري مركا سيد رادي رق أولاي يرق ودري إلا يهروغي إلا يفاملي غوغي إني كو راليغا إني كو راليغا يعني هل كان صوديغا إني كو راليغا مركا سيد رادي إن واميدو وحا صودن محكمة فرانسيسك ويتالا محكمة فرانسيسك مركي أن لبقون إيس ديد يان صوفريستي وان أشيغي وانن أقود بني وان أشيغي وانن أقود بني محكمة فرانسيسك باريس كتالا مركا وحن ماها وح مارتي لا إسكا أن إسكا شاكينا يوم مركا وح بارتان عد أدلوكنا مركا دقيستين الأركيسين وحن شاكا يوم دمبا إني رونتاي فريس كجوت سوية يسود أودسية يستمرت لوما مراي مركا ما وح عن ناشس عن ليمي دوما تن سكالله مركا بجيس وعن شرقري شرقري صوتوا وح بضم بذك كل السنة تين وتكف هم دونتي وين ما تنتي شن مر من يسوينا أنت دك صابي ريان كدب مرتي قوام قد قرينا إن شاء الله I heard. شرقرية تريز امبورتون شرقرية ولا شرقرية ما دري جوتو الله عدنا يا شرقرية دنتيني كدرتا دنتيني كدرتا شرقري واحد بدون بدو غاني سين ان شاء الله شرقري و اد بلوغو بهاي اد بلوغو بهاي هاي شرقري ولا يا شرقري شرقري ولا شرقري السمحه ناسا بجسم وجمحه شروقنا يا غاليه وحنين شيء ايو احباد كفنس كيف الاحزان باك السعاده وحباني كورنايا تدي الحزن الوان تدي نفرح زين شروقنا يما ويابا شروقنا احلى اصحابا ما قباب غير بابا تشجيك بيت رحابا جو تم بكو جو تم جو سوي زنبغ دو توا جو سوي شروط سيمون أمو شرقة شروط لحنا وصلنا للي عمرتنا للبحشة من فرحة والسلحنة
walaal ma lay malqayaa ma lay malqayaa i soo qor hadii qora hadalkayga duuf si fiican loo malqaayo i soo qora est-ce qu'on m'entend s'il vous plaît envoyez-moi juste un petit mot que ma voix est assez claire c'est très important merci et s'il vous plaît partagez c'est très important Malaya. Ali Malay Malkayab. Amo, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que ma voix est claire? Merci. On va commencer là. Inch'Allah. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci mes chers compatriotes, merci à vous tous. Merci à vous ceux qui sont présents. Ce rapport que j'ai fait depuis le 5 juillet 2002 à Addis Ababa et qui a duré pendant plusieurs mois de recherche et d'investigation concernant Ismaïl Omar Guelleh et son régime. Voilà, écoutez, je vais vous lire le rapport que j'ai fait et qui est très intéressant pour comprendre
ce monsieur-là et comment il dirige le pays et quels sont les actes criminels qu'il a commis depuis ce temps-là. Très bonne écoute et partagez au maximum, s'il vous plaît. Rapport confidentiel sur les réalités politiques de Djibouti. Depuis l'indépendance de Djibouti, le 27 juin 1977, jusqu'au 5 juillet 2002, au 2 mars 2004. Voilà, jusqu'au 2004, c'est le rapport que j'ai fait pratiquement sur tout ce que Ismaël Merguele il a commis. Aujourd'hui, 2004 à 2020, c'est pratiquement 16 ans de dégâts. Ça continue, mais au moins, une fois que vous avez appris ces informations-là, une fois que vous avez compris qui est ce monsieur-là et quelle est sa méthode, le reste, cela va de soi. Le présent rapport, qui consiste en grande partie ont une analyse du contexte et des conditions sociopolitiques dans lesquelles se trouve actuellement la République de Djibouti, il y a 16 ans de cela, et son peuple, n'est non seulement pas de la part de son rédacteur, Sultan Abdallah Debelkale Ahmed, une volonté politique dénonçant les pratiques injustes, coercitives et rétrogrades qui en cours, mais aussi une nécessité de mieux informer ses frères et sœurs djiboutiens, toutes ethnies confondues, ainsi que tout observateur étranger non au courant de la gestion inique et dictatoriale du régime djiboutien actuel. Ce dossier a été réalisé après plusieurs mois de recherche difficile et dangereuse. Il donne des explications sur l'étude comportementale de ce président qui n'a qu'une seule devise dans sa tête, corruption, affaires et assassinat. Il s'agit de M. Ismaël Omar Guelleh. Aussi, ce rapport de présentation se propose donc de lever les voiles sur l'organisation, les méthodes ainsi que les voies et moyens utilisés par le président de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, et ses hommes pour mieux encadrer le peuple de Djibouti afin de l'utiliser au mieux de leurs intérêts et enrichissement personnel. En effet, il convient de savoir que l'ensemble des moyens qui sont mis à contribution par ce régime et qui quotidiennement sont utilisés dans la manière de gouverner la population djiboutienne n'a qu'un seul et unique but, celui d'asservir son peuple afin de lui éviter toute velléité de contrecarrer son désir de puissance et sa détermination à accaparer toute valeur ajoutée issue des ressources nationales à des fins personnelles, familiales ou partisanes. Sur le plan régional, il a été établi que la personnalité du président Ismaël Omar Guelleh n'étant pas seulement caractérisé sur l'appât du gain, mais aussi par une ambition démesurée qui le pousse à vouloir jouer un rôle incontournable dans la région, remet en question et hypothèque gravement le désir de paix et de développement harmonieux de dizaines de millions de personnes de la sous-région. En effet, les difficultés auxquelles sont confrontés certains pays de notre zone ou de notre région et
et les imbrications historiques et culturelles des peuples de la région entre eux sont considérés par ce despote criminel et sanguinaire comme une occasion et un outil pour interférer et intervenir sur les équilibres nationaux dans le sens de sa mégalomanie. De plus, la bassesse et l'immoralité de la façon et des moyens que le régime d'Ismaïl Omar Guelleh utilise dans le cadre de ses relations avec les autres pays limitrophes risque d'handicaper très sérieusement la volonté de paix et de développement du peuple djiboutien dans son ensemble. Après avoir exposé à mes frères djiboutiens et djiboutiennes et étrangers qui se trouvent sur le sol djiboutien, la réalité sociopolitique qui a cours à Djibouti depuis ces 43 dernières années, ainsi que les visées et éventuelles conséquences de la politique du régime d'Ismaïl Omar Guelleh sur la sous-région Éthiopie, Érythrée, Somalie, Somaliland, le Yémen. Je vous propose, si vous me le permettez, dans une deuxième partie, car la première partie concerne sa biographie son portrait et ses traits caractériels, de vous soumettre les modalités qui, à mon sens, seraient les meilleures et les plus adaptées afin de mettre définitivement un terme aux nuisances générées sur tous les plans par ce tyran expansionniste. Par cette occasion qui m'est offerte, ça a été écrit en 2002-2004, par cette occasion qui m'est offerte, je remercie chaleureusement mes compatriotes djiboutiens et étrangers, tout particulièrement, paix à son âme, M. Picon, surnommé alias Bouhi Warsama, qui m'ont apporté leur concours pour la réalisation et la diffusion de cette étude. Qui reflète le vrai visage du président Ismaïl Omar Guelleh et de son régime sanguinaire et corrompu. Aussi, ce dossier, véridique et vérifiable en République de Djibouti, prend à témoin le peuple de Djibouti, ces puissances étrangères qui se trouvent sur le sol djiboutien, coalition antiterroriste, antipirate, ambassade, NGO, Nations Unies et autres. Aujourd'hui, en leur demandant de prendre leurs responsabilités devant ce président terroriste qui bafoue impunément la charte des Nations Unies. Quand le peuple de Djibouti sera libre, très prochainement, Inch'Allah, si Dieu le veut, ces États ou ces gouvernants ne pourront pas dire on ne le savait pas, personne ne nous a prévenu. Voilà, ça c'était juste l'introduction. Le rapport, la première partie du rapport, éléments biographiques du président Ismaïl Omar Guelleh, ainsi que son historique politique. Le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh est né le 27 novembre 1947 à Diredoa, ou, certains le disent, à Aïcha'a, en Éthiopie. Il appartient à l'ethnie Issa Mamassan Bafourlawa, père natif de Guérissa, région Awdal, en Somaliland, et sa mère appartient à l'ethnie Gadaboursi Mahal Assé, sous fraction
Bahawar Abokor, natif de Logaya, région Awdal, Somaliland. Ces deux ethnies font partie de la grande famille somalienne. Le président djiboutien est né d'une famille très modeste. Il est le neveu et en quelque sorte l'héritier du président Gouled, auquel sa femme n'a pas donné d'enfant. Paix à son âme. Après des études limitées à Diridawa, à l'Alliance française en Éthiopie, il rentre, il vient à Djibouti en juin 1968 à Djibouti et trouve un poste d'auxiliaire de police au service des renseignements généraux, période coloniale, du gouvernement Aref, tout en militant au sein de la Ligue populaire africaine pour l'indépendance, la LPAI. En fin de compte, il faisait le double jeu entre l'Aref, le colon et son oncle Hassan Gouled. Justement, le LPAI était animé par Hassan Gouled, comme vous le savez. Il met alors à profit ses activités professionnelles pour acquérir les renseignements et recruter les informateurs nécessaires à porter son oncle au pouvoir et à asseoir sa propre influence pour le futur. En 1976, il est suspendu de ses fonctions par le président du gouvernement, M. Ali Aref, qui le soupçonne de fournir les dossiers des renseignements généraux à la LPAI. En juin 1977, lors de l'accession à l'indépendance, il est nommé sous la pression d'Amina Gele Batal, chef de cabinet et chargé de la sécurité de la présidence et des renseignements généraux de cette nouvelle nation qui vient de naître. Amina Gele Batal était la tante paternelle d'Ioge. Elle a financièrement soutenu pendant de nombreuses années le futur président Gouled qui, après l'indépendance, ne pouvait rien lui refuser. Le 15 décembre 1977, il est confronté à sa première affaire importante lors de l'attentat du Palmier en Zing, préparé par ses associés du service de renseignement. Il prend en charge avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Moumi Badon Farah, paix à son âme, la répression contre les jeunes Afar et le quadrillage du quartier Afar d'Erhiba, en accusant que cet attentat du Palmier en Zing, ce sont les Afar qui l'ont commis. En 1978, il est nommé directeur de la sécurité intérieure et extérieure, le service de documentation et de sécurité connu sous l'appellation SDS. Ce service est placé sous sa responsabilité, de même que la garde présidentielle de M. Hassan Gouled. Au cours de l'année 1979, à la suite d'une série d'attaques contre les casernes du nord du pays, il organise une répression sauvage contre les Afar de Djibouti. En 1981, Smaïl Omer Guelleh échappe à un attentat dont les circonstances exactes n'ont toujours pas été éclaircies jusqu'à ce jour. À cette époque, des rumeurs persistantes, y compris dans les milieux politiques, Issa, lui on attribue la paternité de l'organisation de cet attentat dans le but d'intensifier la lutte contre les Afar à Djibouti. Tout ça, ça a été plus ou moins mis en cinéma par lui-même. En 1982, il est nommé membre du comité central et du bureau politique du Rassemblement populaire pour le progrès, RPP, et président de la commission culturelle du parti.
En mars 1985, il est nommé contrôleur général adjoint au bureau politique. Puis en septembre 1985, président du conseil du Palais du Peuple. Au fil des années, il gravit les échelons au sein de ses instances du parti. Il est depuis le mois d'août 1991 premier secrétaire général adjoint. Simultanément, il développe son emprise sur le gouvernement du président Goulet et son entourage le plus proche. Ça, c'est une analyse que j'ai faite au début. Maintenant, je vais vous expliquer le portrait caractériel du président Ismaël Omar Guelleh. Et ses sources, ces informations-là, je l'ai eues directement par des amis dont, effectivement, qui m'ont communiqué. Ismaël Omar Guelleh, d'abord, il faut reconnaître, il est intelligent, très habile. Ismaël Omar Guelleh est totalement corrompu. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le service secret français. Il est affairiste, ambitieux, sans aucun scrupule moral ou humain. Ses brutalités, son comportement scandaleux et sa richesse ostentatoire le rendent particulièrement impopulaire auprès des Djiboutiens et Djiboutiennes. Il tient son pouvoir de l'étroit contrôle qu'il a réussi à instaurer sous le service de sécurité intérieure et extérieure de l'État. Cette emprise lui a permis de prendre la tête du noyau dur du soi-disant Djiboutien d'origine éthiopienne et somalilandaise, en particulier sa famille tribale, les Mamassane Bafourlava, ou autres ethnies issa du gouvernement qu'il dirige, car il entend bien se maintenir au pouvoir et en conserver les avantages malgré l'échéance électorale en 1993. Car à cette époque, M. Hassan Goulet était dans l'impossibilité de postuler pour un nouveau mandat. Le même scénario se présente aujourd'hui pour l'échéance présidentielle d'avril. À cette époque-là, c'était 2005. Aujourd'hui, 15 ans après. À cette époque-là, sa volonté de conserver le pouvoir l'a conduit à resserrer le dispositif de l'État autour des Issa, de sa propre famille, en priorité, en provoquant la mise à l'écart ou le limogeage de responsables administratifs ou politiques suspects de tiédeur ou d'humanisme à l'égard de ses visés, comme le ministre Mohamed Jama Elabe al-Rahamo, Khere Alale Hared, l'ex-directeur de cabinet Ismaïl Guédi Hared, ainsi que l'ex-secrétaire général du gouvernement Ousmane Bogoré, cousin à IOG, soupçonné de prendre son poste politique. Finalement, il a fait intensifier la lutte contre les opposants au régime, en particulier les Issa dont il avait peur qu'ils puissent éventuellement contredire ses visées au niveau du poste de président, contre les affaires de Djibouti, au point de provoquer une importante réaction armée chez ces derniers. Son action vise aussi les autres minorités somalies, non mamassanes du territoire. En premier, les Fourlaba, les Odago, les Saad Moussa, les Horone, les Issak, les Gadaboussi, et ainsi de suite, qu'il contribue à rejeter peu à peu dans une opposition indifférenciée. Enfin, pour assurer une représentation décisive de son clan, sa proche famille, en cas de confrontation électorale ou autre, il s'est lancé dans des opérations complexes de récupération des minorités Issa ou Somalie, de la Somaliland,
notamment ou de la Somalie en particulier, ou de l'Éthiopie. Mettons à profit l'état d'anarchie prévalent dans ces deux pays, l'Éthiopie, la Somalie, la Somaliland. Suite à la chute du régime de Siad Barré et de Mengistu Haïle Mariam, il a créé et financé des mouvements autonomistes ou autres dans le nord-ouest de la Somalie, précisément dans la région d'Awdal en Somaliland, notamment le Front Uni de la Somalie, USF, avec la collaboration de l'ex-colonel somalien Farah Ouaïs Doulé, connu sous le nom de Farah Faras, et qui vivait à cette époque-là, du côté de Dredewa, aux frais du gouvernement djiboutien, et qui lui a acheté un terrain de plus de 2000 hectares. Ce même front a des liens dans la région de Dredewa, en Éthiopie et à Djiboutiville. Il espère ainsi jouer un rôle crucial dans le règlement régional et pouvoir intégrer à Djibouti les éléments extérieurs susceptibles de renforcer numériquement son clan tribal le plus proche. Depuis le déclenchement des opérations militaires dans le nord du pays par les éléments du Front pour la Restauration et l'Unité de la Démocratie, le FRUD, M. Ismaïl Omer Guelleh semble peser de tout son poids sur le président Hassan Goulet afin que ce dernier règle le conflit par la force, au risque d'entraîner le pays dans une guerre civile totale. Face à l'attitude de la France, à qui il reproche de ne pas être intervenu militairement, Ismaïl Omer Guelleh a lancé une violente campagne anti-française auprès des Djiboutiens qui, si elle s'intensifie, risque de provoquer des réactions violentes à l'encontre des ressortissants français, militaires, civils ou coopérants. Il est vraisemblable qu'il tentera de pousser le président Goulet à refuser toute négociation avec les représentants du FRUD à Djibouti, tendance Dr Abate Ebo, ou en Éthiopie, et privilégiera l'épreuve de force, quitte à faire un génocide auprès des populations afar de Djibouti. D'ailleurs, le pronostic s'est avéré exact. Clair et net. Tout ça, c'est la biographie et l'histoire de Djibouti depuis 2002. Et en fin de compte, depuis 2002, aujourd'hui, 18 ans après, rien n'y a changé et on est vraiment aujourd'hui au bord du gouffre. Et cette étude, ces informations, ces recherches, je les ai faites depuis 2002. Voici les affaires criminelles dans lesquelles Ismaïl Omer Guelleh est impliqué à Djibouti et à l'étranger, d'après nos sources d'information. En 86-87, M. Ismaïl Omer Guelleh est impliqué dans un trafic d'ivoire. Un bateau en provenance de Mombasa, le Kenya, via le port de Berbera en Somalie et de Djibouti, transportant un important lot de défense d'éléments, pratiquement, qui faisait plusieurs tonnages de lots de défense d'éléphants appartenant à un riche commerçant Isaac de la ville de Hargeisa, avait été intercepté par les douanes du port de Djibouti, service de contribution indirecte. Son chargement stocké au port est interdit de vente sur le plan international et malgré l'interdiction du ministre de la Justice djiboutien, toute la cargaison s'est volatilisée. Elle a été vendue à une société chinoise de Hong Kong par l'intermédiaire de M. Roble Olhaye, l'ancien ambassadeur de Djibouti aux Nations Unies et à Washington, paix à son âme, et qui était à cette période-là un ambassadeur. Et surtout, avec la complicité du défunt frère du président Ismaïl Omer Guelleh, Idriss Omer Guelleh, Allah Raham. En 1988, Ismaïl Omer Guelleh, sous le prénom de son défunt frère, M. Idriss Omer Guelleh,
ont signé avec une société italienne un contrat très important, évalué à plusieurs dizaines de millions de dollars, portant sur la récupération de déchets toxiques industriels en provenance de l'Europe et en particulier l'Italie et les pays de l'ex-bloc soviétique, pour le stockage sous terre et sous la mer, en particulier dans la région Afar de Djibouti, région de Goubet, Tadjoura et région de Bok. En 88, c'est là où là, ils ont enterré Ismaël Omer Guelleh, son frère, Idriss Omer Guelleh, avec la mafia italienne à Djibouti même. D'ailleurs, à certaines périodes de l'année, on aperçoit sur le rivage maritime ces côtes des milliers de tonnes de poissons mourir en flottant sur la mer sans aucune raison apparente. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement djiboutien a toujours refusé d'ouvrir une enquête sur ce fléau écologique et catastrophique pour la région. Un fort soupçon pèse que de fûts radioactifs sont cachés sous la mer dans cette région qui est limitrophe à la région Afar de Djibouti. Ce contrat a été dénoncé sous la pression des médias européens et des organisations non gouvernementales à cette époque-là. Oui, effectivement, à cette époque-là, il y a eu des dénonciations, mais ce n'est pas allé loin. En février 1989, M. Ismaël Omer Guelleh prend contact avec une société de vente d'armes autrichienne dénommée Scorpion International Limited, dont un des dirigeants, M. Constantinos Defermos, fait l'objet d'une demande d'extradition du gouvernement grec via Interpol. Il s'agit d'un achat d'armes légères évalué à 11 320 000 $. Cette affaire est traitée et négociée directement par le défunt frère du président Idriss Omer Guelleh et de l'actuel directeur de la sécurité djiboutienne, M. Hassan Saïd Khayré, dit Hassan Madobe. On peut supposer qu'une partie de cet armement a été destinée à armer la milice Issa du côté de la Somaliland, l'USF, et l'autre partie mise au secret par Ismaël Omer Guelleh et son régime. En mai 1989, M. Ismaël Omer Guelleh était propriétaire d'une société X qui vendait de l'alcool qu'elle obtenait détaxé avec la complicité du free shop du port de Djibouti, dont la gérante était Madame Nina, métisse italo-érythréenne, servait de paravent et de dépôt à ce commerce illicite. Par la suite, ladite société d'Ismaël Omer Guelleh confiait la vente une partie de l'alcool à la famille de Salah Mouti, qui se chargeait à réexporter vers le Yémen et en Arabie Saoudite par le détroit de Bab el-Mandeb, en chargeant sur des petits bouts depuis le port de Djibouti. L'autre grande quantité était revendue en sous-main aux établissements Frattachi de Djibouti, de Coscal de Djibouti, des établissements Maril et la supérette Bambis, rue de l'aéroport. Ceci avec l'accord tacite de l'ex-premier ministre Barkat Gourad Hamadou, qui était à l'époque le ministre du port, car lui aussi prenait sa part de commission au passage. Al-Rahman. Les bénéfices étaient substantiels. La taxe d'importation variant de l'ordre de 30 à 70%, sans oublier aussi que ces établissements revendaient ce même alcool au prix fort à l'armée française et autres militaires étrangers basés à Djibouti. La magouille commerciale continue toujours au port de Djibouti sous une grande échelle jusqu'à aujourd'hui. Quelque temps après, M. Ismaël Omer Guelleh hypothèque les bâtiments de cette société afin de souscrire auprès des banques des prêts destinés à la construction d'immeubles de rapport au Héran, à côté du Cash Centre, revendu depuis. C'est vrai, il est revendu. Ces immeubles avaient une valeur très nettement inférieure au prêt. Pour obtenir satisfaction des banques, il a fait pression sur le conservateur des hypothèques au niveau des contributions afin de modifier le rang des hypothèques
Par la suite, la société X appartenant à M. Ismaël Merguele a fait faillite. Celle-ci n'étant pas reconnue frauduleuse, les banques ont enregistré une importante perte évaluée à plus de 5 milliards de francs Djibouti. 5 milliards de francs Djibouti. Mai 1990, M. Ismaël Omar Guelle a détourné une importante cargaison d'armes évaluée à plusieurs millions de dollars en provenance d'Irak et destinée à équiper l'armée djiboutienne. Avec la complicité des généraux Fadhi et de Zakaria Cheikh, actuel homme fort de l'armée djiboutienne, et aussi du colonel Omar Bouh, beau-frère d'Yogé, Ismaël Omar Guelle, et de Soubaglé, frère du commerçant Omar Fiane, jusqu'à présent, personne n'est en mesure de dire où sont passées ces armes. Septembre 90, Monsieur Ismaël Omar Guelle pourrait être le commanditaire de l'attentat du Café de Paris. Le dossier présenté par les autorités djiboutiennes sur cet attentat serait en fait une manœuvre d'intoxication à l'encontre du gouvernement français. Affaire à suivre. Novembre 1990, moi j'étais dans la prison de Harar. Et c'est Ismaël Omar Guelle qui m'a mis en prison à Harar. Et c'était la période où Mengistu Al-Mariam était là. Novembre 1990, à Dridoa. Durant l'année 89, suite à une dissension interne au sein de l'organisation politico-militaire appelée Western Somali Liberation Front, WSLF, dont l'un des cofondateurs de cette organisation est chef historique et charismatique de la communauté Issa de Djibouti, de la Somalie et de l'Éthiopie, appelé colonel Ahmed Farah, plus connu sous le nom de Hamoud Langare, Hamoud le Boiteux, paix à son âme, et que le bon Dieu le reçoit dans son paradis éternel, Amin. Cet officier supérieur a décidé de négocier avec le président Mengistu Haïla Mariam pour rentrer définitivement en Éthiopie, à Dridawa, dont il était originaire. Après avoir signé des accords politiques avec le régime du Derg, le président Mengistu l'a nommé gouverneur ou Rasgeis, poste politiquement stratégique de toute la région de Dridawa, en destituant dans les mois à venir, M. Hussein Ismail, le neveu maternel du président Ismaël Omar Guelle, qui occupait ce poste à l'époque depuis plusieurs années, et qui est en même temps le représentant du parti du Derg, qu'on appelait ISAPA. Quelques jours après la venue de M. Hamoud Langare à Dridawa, et juste avant la prise de ses fonctions de gouverneur, il a été assassiné froidement et sauvagement par trois mercenaires dans sa voiture devant son hôtel en compagnie de deux autres amis qui se trouvaient dans sa voiture. Ces deux messieurs s'appelaient M. Abdoulaye Douale Elaye Al-Rahmo, décédé le jour même avec Hamoud Langare, paix à son âme, et M. Mohamed Moussa Aouguele, blessé gravement et porte des séquelles très graves jusqu'à ce jour et qui vit à Addis Abeba à cette époque-là, dont j'ai eu la chance de le connaître et d'avoir discuté avec ce monsieur-là, Mohamed Moussa Aouguele, à l'hôtel Ras Hotel à Addis Abeba, où il m'a expliqué beaucoup de choses et qu'il m'a donné beaucoup d'informations. Il faudrait signaler que ce monsieur Hamoud Langare s'opposait énergiquement à la politique d'ingérence et déstabilisatrice commanditée par l'actuel président Ismaël Omar Guelle et l'ancien président Hassan Gouled Abtidon auprès des Issa éthiopiens et somaliens et djiboutiens aussi. Il connaissait aussi parfaitement ces deux messieurs et refusait toujours leur politique basée sur l'injustice et la mafiosité tribale dans la région. Concernant M. Hussein Ismaïl, l'oncle maternel d'Ismaël Omar Guelle, qui était le Rasgeis
de Dridawa. Quelques temps après, le régime du Derg l'a emprisonné sous le motif de corruption des biens publics et mis en dépôt à la prison d'Harar. Oui, effectivement. Hussein Ismail et Mahmoud Jermal ont été amenés à la prison d'Harar alors que moi, les Tigréens m'ont fait sortir et j'étais dans un hôtel. Je veux dire que à cette période-là, voilà comment les choses sont passées, mais c'était, en fin de compte, c'était vraiment la transition du Derg. Que Mengistu, quand il a appris que Hamdan Agala a été assassiné, ben, il a pris Hussein Ismail, le Razgès, Mahmoud Jermal, et nous a amenés dans la prison. Ok, et le motif qui a été pour les amener en prison, c'était un motif de corruption des biens publics. Voilà. Il a été relâché quelques mois après, oui, il a été relâché quelques mois après que l'UPRDF, les Tigréens, ont pris le pouvoir à Addis Ababa sur intervention du président Gouled et du président Ismaël Omar Guelleh. Voilà. C'est qu'en fin de compte, quand les Tigréens ont pris le pouvoir, sous l'intervention de Hassan Gouled et d'Ismaël Omar Guelleh, Hussein Ismail, son oncle maternel, a été relâché. Et depuis, il s'est enfui à Djibouti, effectivement. Quand il a quitté la prison, il est venu à Addis Ababa. Je l'ai vu d'ailleurs au Ras Hotel et au Gyor Hotel. Et après, il s'est réfugié à Djibouti sous la protection diplomatique de M. Ismaël Omar Guelleh, qui est son oncle maternel, qui lui a donné un passeport diplomatique. Il vit confortablement depuis plusieurs années à Djibouti, à cette époque-là, je ne sais pas aujourd'hui, mais avec un salaire de haut fonctionnaire djiboutien qui était de plus de 3000 dollars et mis à sa disposition une villa et une voiture de fonction. Tous ces frais sont payés mensuellement par M. Ousmane Moussa, qui était l'ancien ministre des Affaires présidentielles, surnommé Ina Moussa Selig. Voilà. C'est lui qui payait pratiquement tous ses frais, sur ordre de M. Ismaël Omar Guelleh. Pourquoi? À quel titre? Cet étranger a toutes ces faveurs-là? La réponse, elle est là. M. Hussein Ismail récolte sa féronie en remerciement des missions accomplies pour IOG et Gouled dans la région. Dans la région, du côté de Dridawa, notamment à l'époque de l'assassinat du défunt colonel Hamdan Langale. Il est au courant et il a joué un sacré grand rôle. D'ailleurs, une fois que j'ai vu le fils de Hamdan Langale qui était de passage à Dubaï en 2014-2015, je lui ai expliqué, je lui ai donné ces informations-là. Le fils de Hamdan Langale, Rayal Hamoud. Apparemment, il m'a fait comprendre que non, c'était pas ça, c'était pas Ismaïl. Bon, je laisse passer. Voilà. Et en fin de compte, ce monsieur Hussein Ismaïl connaît parfaitement le ou les commanditaires de cet acte ignoble et crapuleux qui ne restera pas impuni, Inch'Allah. Février 91, sur ordre d'IOG, par l'intermédiaire du général Zakaria Cheikh, un assassinat collectif, génocide de 70 personnes d'origine Afar, mais de nationalité éthiopienne, militants de l'Afar Liberation Front, du sultan Ali Mereh, composé de vieillards et d'adolescents, affaiblis par la faim et la soif, depuis plusieurs jours, sont abattus de 100 fois en pleine journée, à 15h, par la milice somalienne de l'USF et par les militaires djiboutiens déguisés en miliciens. Les crimes ont eu lieu dans la région de Aïcha Ada, Guérissa, en Somaliland, qui se trouve sur la frontière de Guestir en République de Djibouti. Une dizaine de personnes ont eu la chance d'avoir la vie sauve de ce massacre. Bientôt, la liste des victimes et leurs descendants, femmes et enfants,
D'ailleurs, je les ai postés sur ma page Facebook. Vous pouvez voir toute la liste des gens qui ont été massacrés. Toutes. D'ailleurs, une plainte a été déposée au tribunal de Addis Ababa, à la Cour criminelle internationale de Belgique et devant le procureur, notamment d'Addis Ababa. Voici aussi certaines autres affaires de meurtre inexpliquées à Djibouti, et confortées par des soupçons crédibles et vraiment crédibles à l'encontre de M. Ismaël Omar Guelleh et de son régime. Juillet 91, la mort par violence de l'ex-directeur adjoint du SDS, Mohamed Idriss Karaf, dans la soirée où le meurtre a été commis. Ismaël Omar Guelleh était en permanence et suivait l'affaire de A à Z. D'ailleurs, après avoir reçu le message de l'attentat, il a donné l'ordre d'évacuer la victime à l'hôpital Pelletier et non pas l'hôpital Bouffard. Par la suite, il a été le seul, puisqu'en fin de compte, d'après les informations que j'ai reçues, il était le seul à venir sur place, avec le médecin de garde et les infirmiers qui étaient présents, à entendre les dernières paroles du blessé juste avant sa mort. Les dernières paroles de la victime ont été « Je sais qui m'a tué ». Mohamed Idriss Karaf, juste avant de mourir, il l'a dit textuellement « Je sais qui m'a tué ». Et c'est fini. Certaines informations disent qu'il a été assassiné parce qu'il était très proche de certaines puissances étrangères à Djibouti, notamment la France, ou les Américains, ou les Éthiopiens, et surtout aussi, certaines informations disent que il n'était pas d'accord à ce qu'on puisse assassiner Hamd Lengare, c'est un point, et aussi, il paraît que, effectivement, la maladie de Ogas Hassan Hissi, Allah n'était pas totalement fortuite. Il paraît que tout cela en fait que Mohamed Idriss Karaf, dit Karaf, n'était pas vraiment du côté de Ismaël Omar Guelleh. Ok, on continue. 1992-93, la mort par violence de l'ex-pharmacien en chef Mohamed Yassine Al-Rahman, dans sa villa en présence de son épouse, qui est actuellement en France, qui vit en France, ou je ne sais pas, au Canada, entre la France et le Canada. Ce jeune pharmacien gérait cette officine appelée Pharmacie de l'Indépendance, revendue depuis un soi-disant docteur, Saad, mais réellement, elle appartient toujours à IOG. À l'époque, elle était directement rattachée au chef du cabinet de l'époque, IOG, qui collectait l'argent pour servir à financer les milices de l'USF en Somaliland, ainsi qu'à payer les frais de mission concernant les contrats occultes que la SDS exécutait à Djibouti, en Éthiopie, en Érythrée, en Somalie et en Europe. En 98, la mort, soi-disant naturelle, de notre regretté défunt, que le bon Dieu le reçoit, Inch'Allah, il est en Haristo, Mohamed Cheikhou, au quartier 3, en présence d'une femme d'origine somalilandaise. Les premiers constats ont été effectués par la gendarmerie sous la supervision du colonel Ahmed Younis, d'origine soudanaise, qui a déclaré par la suite que M. Cheikhou est décédé de mort naturelle. Certains parents et amis ont voulu faire une autopsie à l'hôpital Bouffard, mais certaines personnes proches de la famille et du gouvernement ont préféré enterrer le défunt assez rapidement. Quelque temps après, la fameuse dame a été envoyée du côté de Hargeisa avec un pécule pour la faire taire, mais en décembre 2003, la femme complice a été assassinée par balle et la police somalilandaise
est toujours à la recherche du meurtrier présumé. Voici la liste d'autres victimes mortes à Djibouti d'une mort brutale et inexpliquée autour du triangle Arta, rue de Venise et palais de l'Escale. Toutes ces victimes ont eu des liens très proches avec M. Ismaïl Omar Guelleh et de leur fonction politique, et de par leur fonction politique, militaire ou administrative, ont eu accès à des informations très sensibles qui mettaient en danger l'actuel occupant du palais de l'Escale à Djibouti, notamment M. Ismaïl Omar Guelleh. Écoutez-moi ça bien. 1. Major Hamadou, l'ex-aide-de-camp de l'ex-président Goulet et cousin de l'ex-premier ministre Barkhad Gorad Hamadou, al-Rahamo. Cet officier très estimé du président Goulet est décédé suite à un accident sur la route d'Arta et officiellement, les freins de sa voiture ont lâché. Il était très lié, notamment, d'après les informations que j'ai eues, il était très lié avec un attaché militaire de la présidence, notamment français, un attaché militaire français qui travaillait à la présidence. Et ce monsieur-là a été assassiné avec un scénario digne des films hollywoodiens. D'ailleurs, j'en ai parlé à son fils, l'ancien directeur, ou peut-être que maintenant il est secrétaire général, Ouhib, et il m'a dit, de Berkale, je ne veux pas parler de cette affaire-là. Je le comprends. Je te comprends, oui. C'est vrai que toi-même, tu es en danger, mais tu sais très bien que ton père a été assassiné par Ismaïl Omar Guelleh. OK? 2. Major Dahey, ex-officier de la garde présidentielle. Il a été abattu par deux mercenaires sous la route d'Arta. L'enquête de la gendarmerie n'a donné aucun détail sur ce meurtre. Officieusement, il a été tué par des bandits pour des histoires de contrebande de cigarettes. Le major Dahaye était un ancien gendarme de la coloniale et connaissait parfaitement le dossier Bernard Borel, le juge Bernard Borel. Il avait ses entrées dans certaines ambassades étrangères à Djibouti, y compris, il était très proche de l'ambassade de France, ce monsieur-là. Et c'est une des raisons, effectivement, qu'on l'a liquidé. Toi, monsieur le juge d'instruction d'Abaya, al-Raham, est mort par arrêt cardiaque en Éthiopie, à Nazareth. Quelques jours avant sa mort, il avait pris un café avec moi, au Ras Hotel. On vivait ensemble, moi et le juge d'Abaya. Il était de passage en tant que touriste et il habitait au Ras Hotel, donc moi j'habitais au Ras Hotel. Et ce matin-là, juste avant son départ, on a pris le petit déjeuner ensemble, on a pris un petit café ensemble et on a beaucoup discuté à plusieurs reprises. Et effectivement, c'est là qu'il m'a dit, écoute, Abdallah, je vais partir, je rentre à Djibouti. Adar salam alaikum, ma'a salam. Okay. Monsieur Dabaya connaissait Monsieur Bernard Borel personnellement. Il travaillait avec Bernard Borel et il l'aidait dans ses fonctions en tant qu'attaché venant du ministère de la Justice française et de la coopération. Il était très proche de Bernard Borel en tant que collègue et suivait de très près l'assassinat du juge français. Effectivement, quand Bernard Borel a été assassiné, mais le juge d'Abaya, vraiment, c'est là que lui-même se sentait en danger. Et effectivement, quand... ce qui est bizarre, je réentends encore sa phrase quand il a quitté le Ras Hotel d'El Seba. Il m'a dit, Adar, ma'a salam, Inch'Allah, et sans que demain le 15. Moi, je lui ai dit, on se revoit l'année prochaine, Inch'Allah, ici à 10. Il m'a dit, il a eva garnaya, Inch'Allah. La kinse, la situation m'est difficile. Il se savait déjà que vraiment, il était en arrêt de mort. Il se savait déjà qu'il pouvait être sur la liste de ceux qui vont être assassinés. Parce qu'il connaissait trop de choses. En plus, il était aussi assez proche du ministre de la Justice à cette époque, Moumine Bahdon.
Ce qui veut dire que Dabaya, c'était un élément très important de l'affaire du juge Borel, de son assassinat. On continue. Un autre suicide aussi, notamment concernant l'ex-planton ou l'ex-coursier Djagabeda, qui travaillait à la présidence et qui était normalement un sous-officier à la SDS. Il était coursier, il faisait le bouffon de la cour à la présidence, il est en arrestant, à l'Irhamon. Mais, voilà les informations que j'ai pu récolter. Agent sous-officier à la SDS, mort chez lui par arrêt cardiaque, était le messager confident du président Ismaël Omer Guelleh. Car ayant l'air d'un idiot ou bouffon de la cour, il était un excellent messager diogé et connaissait depuis des années tout ce qui se complotait à la présidence. Par la même occasion, il renseignait le général Yassine Yabé, Galap, al-Rahman, sur toutes les activités d'IOG. Après le coup d'état manqué du général Yassine Yabé, la SDS a découvert son double jeu et a informé Ismaël Omer Guelleh, ce qui a signé son arrêt de mort. 5. Monsieur Merané. Merané, c'était un grand sportif, Al-Rahama, que je connaissais très bien, qui venait souvent me voir dans mon bureau, et souvent qui passait des après-midi tranquilles du côté de la place Ménélique, du côté des jardins. Monsieur Merané, ancien membre du comité d'athlétisme djiboutien et fonctionnaire à la caisse de prestations sociales de Djibouti, est retrouvé mort par arrêt cardiaque sur la route de Venise en compagnie d'une jeune dame. Voilà, en compagnie d'une jeune dame. Ce jeune fonctionnaire était un farouche adversaire de la politique d'IOG et très proche politiquement d'une haute personnalité djiboutienne dont ils préparaient ensemble une rébellion armée dans le sud du pays. Sa mort est interprétée comme un message à ses amis pour les avertir à ne pas franchir la ligne rouge. Parce que Merané aussi était très lié et très ami avec Ismaël Guédaré. C'est un message qui a été envoyé. 6. L'assassinat de l'ex-patron de l'hôtel Ménélique, M. Ayelou, par le biais de son épouse, Mme Kabedesh, qui, avant son mariage avec l'hôtelier, était la maîtresse du président Ismaël Omer Guelleh. Cette femme, avant d'être la patronne de l'hôtel Ménélique, gérait un bar pour alcool financé par IOG. Aussi, elle a eu sa carte de résidence à Djibouti sur recommandation du président à l'époque, où il était le chef de cabinet et chef de la sécurité djiboutienne. Après avoir été condamné par la justice djiboutienne pour meurtre, Mme Kabedesh a été libérée par décret présidentiel, une grâce présidentielle, sans avoir purgé la totalité de sa peine. D'après l'enquête, il a été prouvé que la mort de l'hôtelier, M. Ayelou, était liée à son refus de vendre l'hôtel à un proche parent d'IOG. L'épouse était d'accord à cette vente, malgré l'opposition de cette vente par la banque éthiopienne. Aujourd'hui, l'hôtel revient de plein droit à la meurtrière de son époux. 7. L'assassinat d'un citoyen italien par défenestration du dernier étage de l'hôtel Al-Sebié. Ce soir-là, étaient présents sur le lieu du crime deux personnes dénommées M. Mario d'origine italienne et M. Hassan Saleh d'origine érythréenne et ex-membre du FPLE et en même temps chauffeur personnel de Idriss Omer Guelleh. Ces deux messieurs travaillant comme agents commissionnaires pour le compte de l'ex-frère défunt, M. Idriss Omer Guelleh. L'enquête instruite par le colonel Ahmed Younis, toujours d'origine soudanaise, de la gendarmerie, a conclu au suicide sous l'emprise de l'alcool. D'après nos sources d'information, la victime italienne était venue réclamer sa commission à M. Idriss Omer Guelleh concernant le contrat signé avec la société italienne
qui devait exporter les déchets toxiques à Djibouti, dans la région Afar, notamment Gouvet El Karab, Tadjoura, Obok. C'est pour ça que, effectivement, cet Italien, il a été jeté par l'hôtel Ali Sabi. Huitièmement, l'ex-ministre de l'Intérieur, Idriss Farah Abane, Al-Rahman, mort par arrêt cardiaque. Ce ministre n'aimait pas Yogé et a maintes fois demandé son limogeage à M. Hassan Goulet. À chaque engueulade qu'il avait avec le chef de cabinet de l'époque, il le traitait de réfugié éthiopien. Il lui disait qu'il le ferait rapatrier sur Dridawa. C'était un danger permanent pour IOG et Hassan Goulet, natif de Garissa. Eh oui. L'ex-ministre de l'Éducation et des Finances, M. Mohamed Jama El Abbé, décédé selon ses proches, l'ami, par empoisonnement. Sa bête noire était IOG et Hassan Goulet. Il était un obstacle politique pour Hassan Goulet et son dauphin, M. Ismaël Omar Guelleh. S'il était en vie aujourd'hui, M. Ismaël Omar Guelleh n'avait aucune chance d'être élu à la magistrature suprême. Sa mort ne pouvait qu'arranger le futur politique d'IOG. Dixièmement, tout le monde sait comment il a été tué et assassiné froidement, si on peut dire, et empoisonné, le général de division Yassine Yahvé Galab, chef d'état-major de la police, Al-Raham. Vous savez aussi, le ministre, l'ex-ministre de l'Intérieur, Al-Raham, Youssouf Ali Chourdol, lui aussi, qui ne s'entendait pas avec Ismaël Omar Guelleh, notamment, et surtout qui était toujours là pour contredire les mauvaises choses contre Hassan Goulet, lui aussi. Il faut aussi ajouter le capitaine Camus, Al-Raham. Capitaine Camus aussi, qui effectivement aussi était un danger pour Ismaël Omar Guelleh. Il faut aussi ajouter à ces listes sans fin de meurtres le colonel Abdi Bouhouré, chef d'état-major de la gendarmerie. Il faut continuer encore à ajouter le colonel Omar Barré, chef d'état-major de la défense, tué dans un simulacre d'accident. Al-Irham. En conclusion, la République de Djibouti a eu le palme de record de morts et de suicides naturels et inexpliqués sur son sol depuis le 27 juin 1977. Surtout concernant les opposants au régime, d'ailleurs tout le monde se souvient des premiers morts djiboutiens sur le rivage de l'Oyada, la mort par strangulation du défunt Djanaleh Al-Rahman. Et comme par hasard, Ada Robley Al-Rahman était présent ce jour-là lui aussi. Dernièrement, le président Ismaël Omar Guelleh l'accuse dans le journal Jeune Afrique Intelligent de la mort du juge Beural à Djibouti en 1995. Très essentiel de la personnalité du président Ismaël Omar Guelleh. Très important. Qui est Ismaël Omar Guelleh? Et surtout, comment il agit? Et quelle est sa façon de voir les choses? C'est très important. Voici les traits essentiels de la personnalité du président Ismaël Omar Guelleh. Le président IOG, Ismaël Omar Guelleh, est un individu qui, soit par sa nature, soit par sa fonction, est méfiant. 1. Calculateur. 2. Manipulateur, toi, et qui a surtout très peur de se faire manipuler lui-même. Cela provient peut-être de son ego démesuré, qui tient plutôt de la mégalomanie, mais aussi du fait qu'il n'a pas été éduqué jusqu'au bout selon le cursus normal de l'éducation scolaire des jeunes djiboutiens et djiboutiennes. Toutefois, par la suite, sous l'impulsion de sa femme, Khadra Mahmoud Haïd, surnommé Khadra Abesso, ou Kombani Koulelihi, ou bien
État parallèle, entre autres. Il a accéléré son éducation en tant qu'autodidacte afin de pouvoir répondre au mieux aux nécessités de ses ambitions. De plus, outre sa formation à la police française, l'ERG, il a suivi des stages à la sécurité somalienne, la fameuse NSS, ainsi qu'une formation de plusieurs mois au service du contre-espionnage russe, l'ex-KGB, à Moscou, vers les premières années de l'indépendance du pays. Avant, juste m'arrêter quelques mois avant qu'on accède à l'indépendance. C'est là et à cette époque-là qu'il a reçu les bases des méthodes soviétiques de gestion des peuples qui ont fait sa gloire et qui lui ont permis d'accéder à la fonction de chef de l'État. En effet, expert en manipulation, en distorsion et en coup fourré, il est allé très loin dans l'art du contre-pied et de la tromperie et c'est généralement pour cela qu'il dresse des stratagèmes et des mensonges compliqués et purement artificiel afin de maintenir l'autre ou les autres dans l'opacité et l'obscurité la plus totale sur notamment les objectifs qu'il s'est fixé d'atteindre. Sa principale obsession étant de s'emparer du pouvoir, chose qu'il a parfaitement réussi à ce jour, et surtout de s'y maintenir de gré ou de force. Et la fin justifiant pleinement les moyens inhumains qu'il emploie, il n'hésite pas, entre autres, à être tellement cynique et menteur que cela lui est devenu non seulement un état d'esprit permanent, mais aussi sa conception des rapports avec autrui, quel qu'en soit le cadre. Incroyable, mais vrai. Sur un autre niveau, Smaïl Omer Guelleh est aussi un jouisseur invétéré qui apprécie énormément l'alcool. D'ailleurs, sa bouteille préférée, ses deux bouteilles préférées sont le Chivas et Black and White, qu'on appelle en somalien Talabadere. Alors qu'il a l'air d'un repenti musulman et qu'il fait sa prière devant tout le monde juste pour endormir le monde. Combien de fois il est parti à la Mecque? Il a Eva Marat. Il a Eva Granay. Ce qui est terrible. Okay? Le luxe, bon, je répète, sur un autre niveau, IOG, Smaïl Omer Guelleh, est aussi un jouisseur invétéré qui apprécie énormément l'alcool. Okay? Le luxe. Okay? Et la luxure. Surtout si cette dernière lui permet d'avoir un avantage politique sur ses adversaires en s'attaquant à leur dignité d'homme et de père de famille. D'ailleurs, revoyez le premier mariage de son actuelle épouse, Khadra Mohamed Haye, et les relations qu'il a eues avec elle durant cette période passée de sa vie, malgré qu'elle soit mariée à une personnalité politique afar. Et d'ailleurs, il se vante, à cette époque-là, il se vante d'avoir joué ce tour aux affaires et surtout à les illuminer devant ses copains. Et dans son Mabrouz, combien de fois il répétait ça? J'emmerde les affaires et je les ai humiliés, quitte à leur prendre l'épouse de l'ex-président du conseil, Abdallah Kamil, qui aujourd'hui, malheureusement, est rentré dans les giron de Smaïl Omer Guelleh et il travaille main à main. C'est incroyable, mais ça fait partie de la politique de Smaïl Omer Guelleh. Je continue sur sa personnalité, adorant très bien vivre. Il ne recule devant rien pour satisfaire ses besoins les plus normaux, comme les plus vils. Parmi ces derniers figurent en très bonne position une soif ardente d'appât de gain et une ambition plus que pathologique qui le dévore et le brûle constamment. Il est clair qu'il estime que plus il amasse et possède de l'argent et des biens,
plus sa puissance et son pouvoir s'accroît en conséquence. D'où en grande partie la raison pour laquelle il n'a de véritable curiosité et ne s'intéresse en priorité qu'aux questions susceptibles de générer des intérêts pécuniaires à son bénéfice personnel. Sur ce plan, il faut savoir que c'est un fauve, un grand fauve qui sait parfaitement chasser et très bien tuer. Cet instinct de prédateur, il ne le met seulement qu'au service de son désir d'enrichissement et de sa volonté de contrer et d'éliminer définitivement ceux qui tentent de s'opposer à ses intérêts et à son ambition politique. Si dans certains cas, des observateurs externes constatent quelquefois son incapacité à exploiter un filon financier, politique ou social, ou plus généralement une situation qui plutôt l'avantage, il ne faut surtout pas se leurrer et savoir que c'est uniquement parce qu'il a je m'excuse. J'ai un problème de batterie. Ah, je m'excuse. J'ai un problème de batterie. C'est bon. Ok. On était où là? Bon, je reviens un petit peu sur la ligne que là où j'ai interrompu. Si dans certains cas, des observateurs externes constatent quelquefois son incapacité à exploiter un filon financier, politique ou social, ou plus généralement une situation qui plutôt l'avantage, il ne faut surtout pas se leurrer et savoir que c'est uniquement parce qu'il a découvert ou qu'on lui a soumis des propositions plus avantageuses sur le plan des gains financiers essentiellement. De la gestion de la gouvernance d'un État, d'un pays ou d'un peuple, il a une approche plus que sécuritaire et tous les dossiers et affaires qu'il traite sont généralement effectués sous cet angle, sauf, bien sûr, sur les affaires qui lui amènent un gain pécunier immédiat. D'ailleurs, mes lecteurs ou mes auditeurs ont très bien compris. Ce dernier point est l'une des causes majeures de l'islamisation à outrance de la société djiboutienne. Ces dernières années, car pour IOG, il est clair que favoriser le développement des idées et des actions rétrogrades des islamistes dans nos régions n'était rien d'autre que la contrepartie qu'ils devaient payer pour bénéficier des avantages monnayables, des capitaux et autres intérêts de la péninsule arabique et des organisations fondamentalistes qui en sont issues en grande partie. L'argent. Ceci étant, c'est une personnalité qui ne fait que gérer le quotidien. D'ailleurs, vous l'avez bien compris, avec le Covid-19, avec toutes les saloperies qui se passent, ceci étant, c'est une personnalité qui ne fait que gérer le quotidien. Et ça, je l'ai écrit en 2002. De gérer le quotidien, totalement dénué de cette vision politique sur l'avenir qui fait les grands chefs d'État. Il a de très sérieuses difficultés pour non seulement déterminer les choix et orientations politiques importants, mais aussi pour anticiper sur les tensions à venir. D'ailleurs, vous avez la réalité en face de vous aujourd'hui. Il se contente de gérer le jour au jour les confrontations et les frictions politiques de son gouvernement qu'il n'a pas prévu et qui, par la force des choses, s'impose à lui. Vous avez parfaitement compris, malheureusement. Toutefois, excellent opportuniste, il n'a aucun scrupule à aller dans le sens du vent, dans un premier temps, afin de non seulement se donner le temps de réflexion et de réaction, mais aussi afin de désorienter l'autre partie sur ses intentions. En effet,
très courageux et très habile lorsqu'il s'agit d'acquérir des avantages sonnants et trébuchants. Il est peureux, coi et conciliant lorsqu'il se retrouve confronté à une situation politique en sa défaveur, ou qu'il a en face de lui une personnalité réellement décidée à le contrecarrer dans ses complots et ses manipulations les plus viles. Cependant, là aussi, il faut savoir que même devant une opposition déterminée et ferme qui le place en position d'infériorité, il fait tout sur l'instant pour se donner les moyens, généralement de concessions provisoires et de moyens de moyenne importance, de pouvoir reculer pour mieux prendre son élan en faisant toutes sortes de démarches pour apparaître comme modéré et disposé aux arguments de l'autre partie. À revoir la période de signature avec M. Ougouré Kifflé et de M. Ahmed Dini, Allah rahma. Mais il convient de savoir que cette attitude n'est que façade et tromperie de sa personnalité. C'est en effet un aspect de sa personnalité et non le moindre, car il est vraiment convaincu que nul n'ayant le droit de s'opposer à ses volontés, il est hors de question de se laisser imposer quelque chose par quelqu'un. C'est ainsi que, partisan de la force et de la ruse pour faire valoir et défendre ses points de vue, il ne supporte vraiment pas, pire, il exerce l'habitude culturelle des Djiboutiens et Djiboutiennes à discuter et à remettre en question les actes et décisions politiques de leurs dirigeants. Pour lui, cette manière d'être, même si elle correspond aux valeurs traditionnelles de la démocratie pastorale de nos régions, celle de l'arbre ou l'intérieur de la Daboïta, adaptée à la cité ou celle de toute autre forme de démocratie, c'est une hérésie intolérable, surtout si sa personne et son régime sont mis en cause dans ce processus. C'est la raison pour laquelle il est aisé de prédire que la future ouverture démocratique qu'il s'est engagé à instituer n'aura tout simplement pas lieu, soit s'effectuera à sa façon, avec ses méthodes de prédilection. Dès maintenant, il faut être conscient qu'il va bientôt habiller le totalitarisme d'un revêtement fictif de démocratie version IOG. Je l'avais écrit en 2002 avec le sabotage de l'USN. Tout ça, je l'avais écrit et c'est clair et net. Et vous voyez comment les choses se sont passées aujourd'hui. Il faut aussi tenir compte que ce raisonnement s'appliquera vraisemblablement à la réunion à venir de Nairobi, reconstruction somalienne, censée par la discussion régler ou faire avancer le règlement définitif de la crise somalienne, si les autres parties concernées ne s'y opposent pas. IOG, Ismaïl Omar Guelleh, est donc un dictateur mafieux, criminel, qui réellement ne croit qu'en lui et qui n'obéissant avant tout qu'à ce qu'il considère comme ses talents de meneur d'hommes et à son intelligence. Il est intimement persuadé d'avoir toujours raison et de pouvoir toujours avoir gain de cause dans n'importe quelle situation à laquelle il serait confronté. C'est-à-dire qu'il pense qu'il a toujours raison et que les autres, c'est des pauvres imbéciles. Pourtant, bien que rusé et d'un caractère très complexe et tourmenté, cet individu ne présente aucune des caractéristiques qui font la personnalité politique exceptionnelle, contrairement aux affirmations de ses agents de propagande à Djibouti et dans la sous-région. Il s'agirait plutôt d'une personne pleinement informée sur les méthodes de manipulation, de falsification des faits et de création de phénomènes artificiels et de désinformation des masses ou des médias journalistiques du pays ou de l'étranger, exemple, l'ADI, la Nation, la RTD, la BBC, section somalienne, qui le protège politiquement, effectivement, Jeune Afrique, l'idiot, ou autre. Il les utilise à bon escient ou par complicité passive sur les individus observateurs qu'il veut convaincre de cela. Dans le même ordre d'idées, il ne perd jamais de vue l'importance de l'action et de la préparation psychologique sur la personne ou la communauté sur laquelle il a prévu d'agir ultérieurement, d'une manière officielle ou non. Ceci, en fait,
sur ce dernier plan que son intelligence est assez terrible et efficace, car cela démontre de sa part un vrai travail secret en amont par la transmission et la propagation préalable d'informations orientées et l'activation d'agents d'influence déjà prépositionnés à cet effet, ainsi que la mise en place ou la mise en activité de structures financières à titre de soutien. L'importance et l'exclusivité qu'Ismaïl Omer Guelleh attribue à l'utilisation de ce genre de méthodes dans sa gestion gouvernementale du pays nous permet de constater qu'une autre de ses priorités consiste à vouloir pouvoir contrôler coûte que coûte tout individu ou tout groupe d'individus d'une façon ou d'une autre, y compris le peuple de Djibouti. À Djibouti, cet aspect de sa personnalité s'applique plus particulièrement aux gens qui réussissent dans la vie sans rien lui devoir, qu'il ne contrôle donc pas. C'est pour cela qu'étant convaincu qu'argent égale puissance, il s'attaque entre autres aux gens qui ont de l'argent, surtout lorsque ceux-ci se sont le plus légalement enrichis, estimant qu'ils sont dangereux pour lui, susceptibles de financer ses opposants, puisqu'il n'a aucune prise sur eux. Il les ruine pur et simplement en les détruisant par ses agents de la SDS interposés ou autres dans des affaires commerciales douteuses ou par des impositions fiscales considérables de l'administration des finances à Djibouti. Et dans le cas où cela ne donnait aucun résultat, il monte de toutes pièces une opération de sécurité nationale fictive pour arriver à un contrôle absolu sur ces personnes. Dans le même ordre d'idée, étant suspicieux à l'extrême et craintif à un degré qui tient plus de la paranoïa que de la simple prudence, il veille scrupuleusement à mouiller et à corrompre le maximum des gens, surtout ses proches collaborateurs immédiats, qui doivent impérativement partager et s'associer à sa gestion inique et mafieuse du pays. Obligatoire, c'est obligatoire. Ayant ainsi engagé leur moralité et leur responsabilité personnelle face à la nation et face à tout ce qui pourrait advenir dans le futur, il estime non seulement avoir ainsi assuré ses arrières, mais aussi pouvoir continuer à exercer son contrôle sur eux. Il faut savoir qu'à Djibouti, que toutes les personnes qui ont refusé de se laisser corrompre et qui ont fait passer l'intérêt général de l'État et de la nation devant l'intérêt particulier et partisan ont pratiquement toutes été éliminées d'une façon ou d'une autre. Voilà là où je vais m'arrêter, Inch'Allah. Inch'Allah, demain ou après-demain, je vais vous redonner la suite de ce monsieur-là. Et surtout, je vais vous expliquer comment il gouverne, comment il manigance toutes ces magouilles-là. Inch'Allah. Merci infiniment pour tous ceux qui sont sur place et qui m'ont écouté. Je suis vraiment désolé de n'avoir pas pu répondre à vos questions, mais moi, je suis venu ici pour vous présenter la personnalité de Ismaïl Omer Guelleh et surtout sa façon de diriger et tous les crimes qu'il a commis depuis l'indépendance. Voilà. Et la suite, vous l'aurez demain ou après-demain, Inch'Allah. Et ça va continuer pendant quelques jours et vous allez apprendre encore beaucoup de choses. Inch'Allah. Mes chers compatriotes, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment. Partagez, c'est très important. Parce que comme ça au moins, vous saurez qui est Ismaïl Omer Guelleh et son régime.
Vous allez apprendre beaucoup de choses encore. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, y'a l'obina. Hey, l'obina. I heard. Bah, quand on sort de l'eau, madre, je vous dis. Et t'as d'elle que tu te dis, tu te Oh, hé. Il y a un ocher à Hanaï. On se couche, ma gabe. Madre, je vous dis. Haka. Et d'elle que je vous dis. Madre, je vous dis. Il a hé. Un corps de salaire, il a hé. Noir, bro. Iyo dowlad aan doonayo inaan soo dhisno ninkii dhamaantii oo aan ugu magac daray badbaado qaran waa loo baahan yahay waxaana baaqa uu ku socdaa walaaladay inta banaanka joogtay inta gudaha joogtaba rag badan waan la hadlay dowlado badan waan la hadlay waan isku raacnay laakiinse waxay igula taliyeen waan inuku horta gacmaha isqabsada inuku wax soo dhista dowladdiina aan aragno ku dhawaaqa madaxweynihii iyo wasiiradii iyo ra-iisul wasaarihii kadib annakana weydiiyey waxaan la qabanayna shucubkuna markaas weji bay arkayaan ay ku dhaqaaqaan taabaa badbaadinaysa qaranka ummadda reer jabuuti qaranka walaalnimo ee aan madaragti aan ugu baaqayo dhammaanteenba maalin walba waan xasuusinayaa maalin walba waan igala hadlayaa inta ay dhibaatadu iyo qarxu tina dhicin waan ii sheegay dhibtu waad ogtihiin cudurkii viruskaa jira gaajadii baa jirta roob baa soo da-ay dalkii oo dhanba wala diimis meedhana oo uraaya midna ku talagala faransiisnimay marayo maraykannimay marayo chinaninimay marayo sidaad markii hore ogeydeen nikani motorada halkaas maaragtay biyaha lanaga dhuraayo adnina faransiisku arkayseen maanta ma jirto sababtoo ah cudurkii wuxuu la socdaa viruski biyaha viruska biyuhu la socdaa biyaha kuma dhimanayo virusku marka viruska biyaha ku jira inuu faransiisku intuu kasoo baxo xerooyinkiisa uu viruskaas soo dhex galo wax aan dhici karayn wuxuu dhimanaya hadhintan reer jabuuti oo talaabaa lagu leeyahy marka taa ogaada biyahaas waxa weeyaan dhimashadii iyo qulunkii iyo cudurkii cirkay marinayaan marka iska daayo maaragtay 4 motoor ay keeneen oy weliba ugu horreysiyeen maaragtay xaafadahay galayeen iyaku iyo xaafadaha ay asxaabtoodu galayeen oy ku bilaabeen qulunku waa kaas laakiin inta u badan ee khatarta ku dhimanaysa cudurka iyo cudurada ka dilaacaya ee soo socda waa roobkaas waxaad moodaa weyn oo cajiib halkay nooga timiday ya habaarkan kuu ku dhacay habaarkan ummadda reer jabuuti ku dhacay halkuu ka yimiday
صدع يا فرت سنوات بان مالتي عن تعب كجري صدح يا فرت سنوات بيدلك يومد مالتي بابا كجري كدب وحنوصو قري مالتي عذر ليرا كورونا وحنوصو قري ونوغو بيري قاجدي وحنوصو قري قرينا لنوحرايا وحنوصو قري ويلهي مالتي وقدري إنو روب كحرقية جبوتي وعجيب وحوين أنا قو حنوار كايا تاس ولا يدب تاي يدب نقو تاي وحنوار كايا إني سود الدقايا حق إلهي وحباه سود الدقايا ها وحباه جلا إلى هنا خير مغدو إلى هنا خير مغدو روب كاي مدي يدب تاس إن حلم تا كنا حينو خير بنو وجلا إلى هنا خير كاس سو دبير إلى هنا وجرسي وكاولان كا باقي يا دويست شير غري هذه يد بالمسنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.